On va où là? À l'avion. À l'avion? Et on va où? Palais. Voilà. Trop bisous. Direction l'île de Sicile. On part à Palerme. Pardon? Benvenuti in Sicilia. Grazie. Ciao. Allez, ça y est, on est arrivé à l'aéroport et puis là on va récupérer la voiture qu'on a louée. J'espère qu'on aura une petite Ferrari ou une petite Porsche quoi. Une bonne grosse voiture, on y est arrivé. C'est là. Locoto. Voilà la voiture de course. La Lancia Ypsilon. Non, non, souris, elle commence pas à vouloir conduire. Hein. Elle est trop jeune. La Felicita. Là on se dirige vers le logement Airbnb. Cherchons l'éléphant. Machine. Ah, l'éléphant. Ouais. Allez, ça y est, premier pas dans les ruelles de Palerme. Oh, t'as faim un peu là, non? Faut qu'on aille manger. Hein. On mange quoi midi? Premier repas en Italie. Pizza. Là on est en route pour le fameux marché de Ballaro, marché qui est hyper connu sur Palerme. Le marché de Ballaro, ben, on le refera hein, parce que l'heure à laquelle on y est allé, les stands ils étaient fermés. Là on continue la balade. Par contre ici, on remarquait que les scooters en fait ils aimaient bien circuler sans casque. Regardez, regardez. Et notre exemple. Alors on parle souvent de la conduite marseillaise, mais alors là, la conduite dans Palerme, franchement, c'est rock'n'roll, mais vraiment, c'est dingue les gens, c'est dingue. Ça double de tous les côtés, je crois que 80% des personnes que j'ai croisées en voiture, elles ont tous le téléphone. Sur la route, faut être prêt. Hein. Oh ma chérie, elle est crevée là. Il est quelle heure? 19h11 et on a fait 17 000 pas. Franchement, une guerrière ma chérie. On a bien visité Palerme aujourd'hui. Et demain, on ira à Céphalou. Mais pour l'instant, on est en train de chercher aussi de quoi manger ce soir. Le jour est fini, là on est à la maison, on a fait vraiment une bonne marche. Et puis là, on se mange une bonne petite pizza, une margarita. À demain pour le jour 2. Allez, salut ma chérie, second jour. On va où là? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la voiture et on part à... À Céphalou. Et puis avant d'aller récupérer la voiture, on a croisé ces deux arbres magnifiques. Ah, c'est beau hein? Ouais, mais c'est bizarre hein, parce qu'il y a les cordes qui pendent. T'es contente derrière toi? Oui. Un petit chemin qui borde la mer, mais du coup c'est hyper sympa parce que donc côté gauche ici il y a la ville à l'intérieur et puis côté droit ici c'est la mer. Le défi c'est de monter en haut de la montagne. Il y a la flèche là-bas, regarde, la roca c'est là-bas. Je sens que ça va grimper. Après ici il y a des maisons juste là et puis ici il y a des gros renforts en acier là avec des grillages parce qu'à mon avis cette colline là elle doit un peu s'effriter, il y a des roches qui doivent tomber donc pour les maisons juste ici c'est pas top.
Donc on n'est pas allé en haut de la montagne parce que je pense que c'est pas possible. Mais du coup on a quand même une belle vue ici là. Cette magnifique vue. Et encore, on n'est pas en haut. Au final, on va pouvoir y aller en haut de la montagne. On pourra valider notre défi. Et là, il y a la souris qui se régale à escalader partout. Alors ça va? Oui. C'est beau quand même. Ouais. Ouais. Ah, ça fait que grimper. On n'arrête pas. Je ne bougeais pas. Notre fille est en train de marcher et qu'elle fait le même kilomètre que nous. Elle sera vraiment forte. Et j'avoue que ma petite souris, franchement, elle m'impressionne. Hein. Elle a pas râlé pour faire cette marche là, qui grimpe quand même très très bien. Parce qu'on est parti d'en bas, hein, de là. Et là, on va au château, en haut, qui est juste là. Et la princesse, franchement, elle se gave. Elle est trop trop forte. Bon, elle est rouge quand même un peu plus. Allez, ça y est, on est arrivé au sommet de la Rocca, on est au château. Et là, ici, il y a le port de Céphalou. Et puis juste ici, eh ben, il y a la ville de Céphalou et la plage. Ah voilà, c'est ça, c'est le temple de Jan. Église Sainte-Anna, en tout cas ce qui reste de l'église. Allez, c'est parti, on quitte Céphalou puis on rentre en direction de Palerme. Là, on est à Palerme. Et après, on va aller récupérer les pizzas. Et après, on va aller à la maison parce qu'elle est tranquille. Bon, ma souris, pour ce jour numéro 3, on est dans la voiture, direction Agrigente, la vallée des temples. Mais là, ben, malheureusement, pour l'instant, je sais pas ce que ça a donné parce que là, en fait, il pleut. Il reste 1h28 de route. On verra sur place. Bah, maintenant, c'est de la grêle qu'on a. Hein. Le temps s'est calmé. C'est parfait. Là, c'est le temps idéal. C'est bon. Et une petite pluie. Faut toujours être optimiste. Il pleut plus trop. Je pense qu'à la balade, on pourra la faire. Et puis, regardez. La vallée des temples, elle est juste en haut. Que malgré tout le temps qu'on a eu sur la route depuis le départ de Palerme, et bien là on est arrivé à Agrigente, à la vallée des temples. Il faut regarder. Et voilà, comme on dit toujours, après la pluie, vient le beau temps. C'est ça du coup qu'on est sur la route. On a de la chance, parce que maintenant franchement il fait beau. Hein. Enfin beau, tout est relatif, mais en tout cas il pleut plus et il n'y a plus de grêle. Ça, ce qu'on a ici, la silhouette, c'est un télamon, donc c'est défini comme étant un géant, et ce qui est en rouge, c'est ce qui a été reconstitué et remonté, et c'est ici. Là du coup, tout ce qu'on voit ici là, c'est l'intérieur du temple de Zeus. Là, celui-là, c'est le temple de la Concorde. Là, ça y est, on a fini la visite de la vallée des temples. On est dans la voiture et puis on se dirige vers Agrigente pour manger. Parce que là, il est 13h30 et on a faim. On a quand même pas mal marché.
après ce bon petit repas, petite balade dans le centre historique d'Agrigente. Ouais, l'église San Giacomo, magnifique. Ça, c'est les Porta di Ponte. Comme quoi, faut jamais désespérer. Le soleil est de retour parmi nous. Et voilà, on part de Agrigente, direction Palermo. Et on en a eu encore plein les yeux aujourd'hui, plein les yeux. Entre la vallée des temples et le centre historique d'Agrigente, franchement, c'était magnifique. Quatrième jour de vacances et aujourd'hui on va se concentrer sur Palerme. Là on va avoir le théâtre Massimo qui est juste en face de nous et puis après on va aller au fameux marché de Ballaro. Et là ça y est, on est au théâtre Massimo, magnifique, regardez. Ici on arrive au Quattro Canti. Église du San Cataldo. Alors celle-là en fait c'est l'église du Santa Maria et celle-là c'est l'église du San Cataldo. Tutti i popoli del mondo, sua maestà, la regina, molto birichina, se la mangia lei la mia regina. Ça y est, on reprend la balade, direction cette fois-ci le palais des Normands. On a fini le marché de Ballaro, on a goûté les arancina et à la fin, en petit dessert, on s'est pris deux cannoli à la crème de pistache. C'était un régal, une merveille pour les papilles. Mais par contre, c'était un peu sucré. Voilà, et en face de nous, là, on va se rapprocher. On a une peinture murale de Sainte Rosalia. Allez, ici, on arrive à la Porta Nuova. C'est le théâtre Massimo, on repasse devant. C'est un théâtre qui est connu dans le monde entier, c'est le troisième en Europe. Il est connu notamment pour son acoustique exceptionnelle. Ici, on est au jardin de la Villa Bonanno. La balade en petit train c'est fini, là on reprend la marche, on se dirige vers le port de Palerme. Et là on rentre dans la Villa Garibaldi. Ça c'est la Porta Felice. Hier c'était le dernier jour sur Palerme et puis là aujourd'hui on est vendredi 1er mars et puis là on part de l'appartement, on va direction la voiture puis direction l'aéroport. On a passé un super séjour à Palerme, il est un peu tôt pour se lever, ouais 5h30 quoi. Ouais.
La voiture est rendue et puis là on se dirige vers l'aéroport. On va décoller.